Pendant la dernière heure, Haïti se vit un moment qui est très difficile. Et cela, c'est suite à l'augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe. Un pile brigandage enregistré. Barricade, vite crasé. Il y a même monde qui mourent, accompagné de membres CSPN qui composé de ministre de la Justice, là, ministre de l'Intérieur, DGPNH, avec inspecteur général en chef de PNH, et bien sûr, nous gagnons avec nous tous, secrétaire d'État sécurité publique. Là. Nous venons matin. Viens font s'y poser avec nous pour nous expliquer nous, pour qui ça nous oblige à prendre décision pour nous mettre gaz là dans le vrai pays. Nous ne pas parler de augmentation gaz là, mais nous plutôt parler de mettre gaz là dans le prix que il doit dire. Je vous rappelle que de 2010 à 2018, Haïti subventionne le gaz là pour 50 milliards de gourdes. Ça qui représente environ 1 milliard de dollars américains. Montant ça, son montant qui t'a permis de nous construire un pile kilomètres de gourdes. Environ 3000 km de route, 3-4000 km de route. Montant ça, ça permet nous de bâtir un pile salle de classe. Nous connaissons que le pays noir, il y a un déficit de 15 000 salles de classe que nous avons gagné pour nous bâtir pendant les 4 prochaines années. Montant ça, par exemple, il t'a permet nous de bâtir un pile centre de santé. Parce que dans toute section communale que nous gagnons, il y a 123 sections communales, pas aucune présence sanitaire, pas de centre de santé là-dedans, pas d'agent de santé, pas de docteur. Donc, son façon pour nous dire, qui gens comme ça, t'as qu'à aider nous pour nous développer le pays. Mais ça passe. Non seulement nous ne jouons pas comme taxe dans le gaz, là, mais nous sommes obligés de prendre comme dans le trésor public là, pour nous capables de payer le gaz que nous vendons. Haïti n'a pas fait de gaz. C'est comme qui a dû développer le pays. Hein. C'est comme ça que nous sommes obligés d'utiliser. Pour nous payer le gaz. Mais il faut me rappeler nous que parallèlement, nous faisons pile d'efforts ces derniers temps pour nous augmenter les recettes de l'État. Ou à l'ESA, les recettes fiscales ont augmenté de 17%. Et nous avons une projection que nous avons pour l'année fiscale 2018-2019. Pour nous augmenter les recettes douanières à 30%. En pile, j'ai fort commencé à faire. Nous mettons sous pied à l'ESA, police frontalière. Ça permet nous non seulement de contrôler les frontières, contrôler les contrebandes, mais de permet nous contrôler même le trafic de Timoun. Timoun qui a sorti en Haïti, qui a mené en République Dominicaine, par exemple. Comme dis-nous que, parallèlement à tout ça, nous faisons lutte contre la corruption. Et nous commençons à gagner des résultats. Et par deux, trois chefs zombies dans toute institution de l'État que nous arrivons à découvrir. Et nous démanteler un pile réseau malfaiteur qui volait chèque
zombie au niveau de l'administration publique. Bon, l'autre bagaille que tu as combattu en parlant de corruption. Et ça aurait une surfacturation. Et par exemple, si on prend route, son bagaille qui était coûté l'État haïtien, environ 2 à 3 millions de dollars par kilomètre de route. Mais qu'on y a, en utilisant ressources de l'État à gagner, on peut parler de l'équipement que l'État a gagné, employés, femmes et garçons qui travaillent dans l'État, eh bien, après terrassement que nous faisons, n'est-ce pas vrai, avec ressources que nous gagnons au niveau de l'État, asphaltage, non, son bagage qui coûte nous moins que 100 000 dollars américains. Donc, son façon pour nous dire que nous utilisons nous pour nous capables de développer le pays. Bon, l'autre bagage qui est très important, tout, pour nous dire, qui permet nous, n'est-ce pas, avoir plus de moyens au niveau de l'État, c'est la diminution de train de vie de l'État. Eh bien, longtemps, ça, on te dit, l'État, c'est choix le papa. Au niveau de l'administration, Moïse Lafontaine, nous avons arrêté que nous sortions et qui, en application, et selon arrêté ça, il y a une série de bagailles que l'employé l'État a faire. Je vais vous un exemple. Moi-même qui Premier ministre, je ne peux jamais faire un voyage officiel. Et pas de toi inviter, non, je ne pas inviter. Chaque semaine, je recevoir une invitation. Chaque semaine, le ministre recevoir une invitation pour le parti. Donc, si nous voyons que chaque voyage, ça, nous avons dépensé 20-25 000 dollars, n'est-ce pas vrai, sans compter délégation qui t'a accompagné, eh bien, depuis que je suis venu comme Premier ministre, par exemple, je n'ai jamais fait aucun voyage officiel. Donc, c'est une façon pour me dire que, au niveau de l'administration publique, nous prêchons par l'exemple, et au niveau de l'administration publique, d'un pire effort que nous faisons pour nous capables de diminuer, dépenser l'État. Nous allons intensifier les programmes sociaux. Tant pour panier solidarité, c'est le kit alimentaire que nous avons distribué. Nous allons distribuer plus de kit alimentaire au niveau de tout quartier populaire. Nous connaissons pas la difficile, nous connaissons pas la dure. Mais ça m'a aimé nous connaître, mais nous connaissons que notre travail pour nous. Nous avons programme Corée étudiant. Moi-même, je suis universitaire premier. C'est-à-dire, je fais toute vie, je suis enseigné au niveau de l'université. Nous connaissons, n'est-ce pas vrai, problème étudiant gagné. Pour faire photocopie, pour acheter des livres, pour même capable, n'est-ce pas, d'avoir accès à Internet. Et bien, nous travaillons pour étudiants. Pour nous, pour nous avoir une vie meilleure. Nous avons un programme Corée paysan. Nous distribuons en pile matériel agricole contre le picois, contre le roux, contre le bourret, contre le moulin pour maïs, contre le pont pour le jardin. Nous avons un programme petit maman chéri en tout qui permet que maman yo assiste petit yo. Mais à côté de tout programme social, nous avons l'autre programme qui est très important. C'est d'ailleurs la promesse de campagne du président Jovenel Moïse. Nous avons logements sociaux pour les policiers. Nous connaissons que le salaire des policiers à recevoir ne pas permettre pour payer les cailloux. Chaque année, nous avons pour renouveler les fermes cailloux. C'est frapper porte à droite, à gauche. Eh bien, notre travail, nous avons déjà des terrains que nous avons gagnés, identifiés. Et nous gagnons, n'est-ce pas, des compagnies que nous allons faire contrat pour commencer à bâtir des cailles pour les policiers. Rêve ça, la tournée en réalité très prochainement.
Nous avons un professeur d'école, nous tous. Nous consacrons le professeur d'école. Professeur d'école, même si c'est lui-même qui a formé citoyen pour demain, mais moyen que le gain, ça laisse à le recevoir, il ne pas permettre de vivre bien. Et bien, au niveau d'administration, Moïse Lafontaine, nous travaillons pour nous capables de changer la vie, professeur. Pour nous être plus dignes, pour nous être de ton côté, un côté qui respecte le niveau comme professeur. Nous voyons que nous commençons déjà à bâtir dans toute section communale, surtout côté qui était affecté par le cyclone Mathieu. Nous voyons que les gens qui étaient connectés dans le bois pour nous aller à vivre dignement dans le caille. Et comme si mon bagage, c'est avec que nous, et nous bâtissons tout le bagage. Ça. Caille qui traîne vraiment bien avec toilettes hygiéniques, etc. Combien coûtez-nous? C'est équivalent à 7000 dollars américains. Écoutez, c'est pour une façon pour nous dire que notre travail pour nous changer la vie du peuple. Maintenant, demandez-nous pour ne pas craser briser. Chaque fois que nous faisons, c'est payer un cabine plus pauvre. Chaque fois que nous craser, on vide machine. Son malheureux qui font pile effort pour l'acheter ces machines que nous prenons plus pauvre. C'est payant qui a pris plus pauvre. Parce que payant pas fait vite machine. C'est commander, nous obligés de commander vite machine. Chaque fois que nous crasons au magasin, c'est job que Haïtien a perdu. Parce que propriétaire du magasin, ça a. En pile fois, obligé de faire faillite, obligé de fermer propre. Et à ce moment, c'est très noir seul qui a perdu le job. Moi, je dis mon patience. Patience. Parce que l'administration a une vision très claire. Les gagnants. Un programme très clair que nous commençons à exécuter. Il est très simple, oui. 4000 km de route pendant les prochaines années, à raison de 100 km de route par département, par année, nous avons 10 départements. Ça fait donc 1000 km de route que nous allons bâtir chaque année. Et pendant 4 ans, ça va faire donc 4000 km de route. La plus. Parce que dans pile département, monsieur a commencé à dépasser 100 km de route. Non? C'est dans tout côté d'un pays. Un pays en chantier pour nous. Mais si nous avons crasé, brisé, on n'y a pas qu'à faire. Nous avons toujours dans que camionnette. Non? Après les yoga. Nous avons une question de reboisement qu'a fait dans le pays. Nous voyons qu'il y a 20 pays pour tout son pays qui désertique, un pays qui pague pied de bois. Mais avec bonne volonté, nous commençons par les résultats. Quand on a 300 germoplastes qui sont construits, chaque 100 germoplastes, c'est 4 500 000 plantules par année. Haïti, il y a 1400 germoplastes. 100 germoplastes, ce sont de grands, des méga pépinières que vous voyez. C'est 63 millions de plantules que nous allons produire chaque année. Oui? Donc ça veut dire ça que nous mettons tête nous ensemble pour nous voir que pays noir, que nous avons dit son pays qui est déserti, ou pays noir, n'est-ce pas vrai, tout n'est dit Haïti chéri, ça, nous sommes toujours gagné. Électricité 24 sur 24. Son programme qui commence à venir là, commence à bâtir. Ou bien dans le fond montagne, côté que les paysans n'ont pas jamais sacré les lumières dans la vie. Non? C'est bois paye qu'on a plus, mais oui. C'est quand tout c'est même gens que dans le temps de la terre et de la pierre taillée, côté que mon monde qu'on a essayé de conserver et du feu. C'est comme ça que frère noir seul, il y a vivre dans le monde.
et bien on commence à gagner lumière. Dans le programme, qui n'est pas éclairé. Dans pile section communale. Et le programme, ça va couvrir toute section communale qui vient dans le pays. Mais en mesure pour me dire, nous, à part le programme, qui n'est pas éclairé, dans toute section communale pays, nous avons au moins deux télévisions avec panneaux solaires là-dedans. Côté que paysan, côté bien dans le monde, la cagade réalité, la cagade sa cap fait dans le pays. Conseil ou pas cabal menti encore. C'est la première fois que vous avez de frais noirs sur nous qui ont regardé qui sa télévision. Parce que section communale qui est dans le monde. Je vais dire ça pour les gens qui pas qu'on paye vraiment. Quand il faut obligé de marcher 6 heures de temps à pied, vous pouvez faire la deuil. Là, dans le département de l'Ouest, là, il y a une section communale pour monter la deuil. C'est à pied ou à cheval pour arriver la deuil. Et qu'on y a un côté développement au niveau de section communale. Ça. Ou bien, programme, n'est-ce pas vrai, de maîtrise des eaux de surface. Eh bien, Haïti est un pays qui est riche en eau, mais malheureusement, tout l'eau, ça, c'est dans la mer. Et puis, nous avons des milliers d'hectares de terre qui ne sont pas arrosés. Eh bien, avec vision président, nous commençons déjà au niveau de rivière Marbion, dans la localité de la Perche, dans le nord-est. Là. Nous commençons avec le premier réservoir d'eau. Mais pas bien 11 réservoirs d'eau au niveau de tout pays en capable de faire. Et ça permet nous, non seulement nous qu'il y ait de l'eau, dans la période de sécheresse, pour nous arroser, mais de l'eau ça, la permet nous générer courant, même si nous avons lac de pays qui permettent de nous générer 54 MW de courant, n'est-ce pas vrai? Eh bien, au niveau du réservoir, ça, nous n'avons qu'à produire courant tout. Mais nous n'avons qu'à faire élevage poisson, ça, oui, et pisciculture. Donc, c'est une façon pour nous dire que nous travaillons pour nous. Nous travaillons pour nous gagner l'eau d'Haïti. Nous travaillons pour nous gagner un changement dans la vie. Frère Axel, nous comprenons. Mais, je dis que ça nous fait là, malgré que nous mettons prix gaz dans le niveau que nous voyons, et bien, quand nous voisins en République Dominicaine, gaz dans malgré tout, il est plus cher, parce que c'est plus que nous en Haïti. Actuellement. Eh bien, nous-mêmes, depuis plusieurs années, nous avons ajusté plus. Et ça fait peut-être des moyens pour nous faire plus de bail. Maintenant, de nos patiences. Maintenant, de nos patiences, parce que, je dis, nous avons une équipe de femmes avec des garçons qui sont dans tout le pays. Qui dédie vivre pour qu'il serve la population. Je demande pour tout haïtien, ça qui est dans l'opposition, ça qui est dans l'opposition, ça qui est riche, ça qui est pauvre, ça qui parle, ça qui est foncé, pour nous mettre tête nous ensemble, parce que nous tous, nous avons un grand dénominateur commun. Dénominateur commun, ça, c'est Haïti. Mais si nous mettons tête nous ensemble, Haïti va périr. Et ma bas nous garantit, plus que jamais, Haïti sous le change. Je vais passer la parole à DG la police. Non? Qui va dire toutes mesures que. La prend au niveau de la police. Non? Nous connaissons que la police travaille avec son mieux.
pour le capable, n'est-ce pas vrai, accomplir mission de la police qui le protéger et le servir. DG. Merci, PM. Donc, Jean-Pierre Jodilin, hier, effectivement, en Haïti, on est un moment extrêmement difficile. Quand il dit autres, quand il dit la page, et on le fait encore, la police en premier plus mal que dans l'État là où nous comprenons que vous avez droit pour protester. Nous comprenons que vous avez droit pour revendiquer. Mais nous ne pouvons pas comprendre la violence en dans le monde. Il n'est pas normal qu'il y ait des policiers qui sont victimes. Vous rapportez-nous des policiers qui tuent dans des mal à premier droit. On a qu'il a tenté à la calier que parle dans le passage depuis la ville. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi vous voulez bien le monde, bien la police. Pour les commissariats qui c'est dans la feuille aussi bien dans la Tibonite. On ne va pas comprendre pourquoi pour les machines de police. On ne va pas comprendre pourquoi attaquer à bien des paisibles citoyens qui ont même tout capable de trouver une revendication. Mais pour attaquer, ils sont victimes de cette action. C'est peut-être ça, au niveau du commandement PNHA, il y a des instructions claires passées à tout élément. Nous prenons toute disposition pour capable permettre à la population civile de faire librement à l'activité. Nous prenons toute disposition pour nous accompagner l'autre soutien dans l'État, SMCR, CNE, pour nous capables de nettoyer les lieux, débloquer les lieux. On a une application de tout le monde. Que la police en tant qu'accompagner de Kounia jusqu'à ce que nous-mêmes, nous faisons tout ça que nous faisons pour rentrer la vie. Donc nous déterminer, nous refaisons encore, nous faisons que nous, dans strict respect, la loi, pendant qu'on a respecté le droit, nous, pendant qu'on a respecté le droit constitutionnel de chaque pays, nous, en garder devant la violence, la police locale, devant la police.